La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Les choses capitales qui ont été dites à l'humanité ont toujours été des choses simples. La fin de l'espoir est le commencement de la mort. Prenez invariablement la position la plus élevée, c'est généralement la moins encombrée. La France ne peut être la France sans la grandeur. L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans l'éloignement. Il est vrai que parfois, les militaires s'exagérant l'impuissance relative de l'intelligence, négligeant de s'en servir. La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé. Toutes les doctrines, toutes les écoles, toutes les révoltes n'ont qu'un temps. Il n'y a que les arrivistes pour arriver. Le caractère, vertu des temps difficiles. Délibérer est le fait de plusieurs. Agir est le fait d'un seul. Quant au pouvoir, je ne saurais, en tout cas, quitter les choses avant qu'elles ne me quittent. La véritable école du commandement est la culture générale. La guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre les lapins tirent. La pire calamité après un général bête, c'est un général intelligent. Pour faire le blocus de Monaco, il suffit de deux panneaux de sens interdit. Ce qu'il faut surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples. Les régimes, nous savons ce que c'est, des choses qui passent. Mais les peuples ne passent pas. Je parle. Il le faut bien. L'action met les ardeurs en œuvre. Mais c'est la parole qui les suscite. L'avenir n'appartient pas aux hommes. Dans ce monde d'aujourd'hui, on ne peut dissocier le sentiment et la politique. Je ne vais pas mal. Mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? Recevoir un grand nombre de journalistes est un plaisir. Un petit nombre, un ennui. Un seul d'entre eux, un supplice. Le désir du privilège et le goût de l'égalité, passion dominante et contradictoire des Français de toute époque. J'aime bien ceux qui me résistent. L'ennui, c'est que je ne peux les supporter. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est cru sur parole. Les grands pays le sont pour l'avoir voulu. Le difficile n'est pas de sortir de l'X mais de sortir de l'ordinaire. Les Français, ou qu'ils le cherchent, ont besoin de merveilleux. La grandeur est un chemin vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Le gouvernement n'a pas de proposition à faire, mais des ordres à donner. Face à l'événement, c'est à soi-même que recourt l'homme de caractère. Face au grand péril, le salut n'est que dans la grandeur. La vie n'est pas le travail, travailler sans cesse rend fou. À la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, ses loisirs. L'élévation d'un homme au-dessus des autres ne se justifie que s'il apporte à la tâche commune l'impulsion et la garantie du caractère. Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité. Si l'intelligence ne suffit point à l'action, il va de soi qu'elle y prend part. Enfin, appuyez sur le bouton de j'aime et laissez un commentaire nous rendra tous les deux heureux.